ça, député? Zame que Laurent Lamotte acheté avec M. Salim Soukar de Saint-Galil. Mais yola. Pour faire qui ça? À qui tu t'achètes? Kounyala, c'est président de l'Assemblée nationale, là, nous allons poser question. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Tout dépend qui l'est, qui date, qui moment, qui joue. Vous pouvez attendre des vidéos, à pas oublier, connecter les réseaux d'information. Hein. Nous, c'est Sofia TV 83. Réaction a continué à tomber après Canada et États-Unis frappé plus fort sous plusieurs autorités dans le pays avec ancien président, député, sénateur qui n'a pas gros problème. Après Lambert, Yuri, Jodia, Lisla Vin Pilon, Sisla d'ailleurs tombé en bas, mais puissance économique, yo, côté yo, coupé visa, saisi bien, et c'est à partir résolution 2553 américaine, qui voyait jeter dirigeant pays, nan campé loin, malversation, ak un pilote détail, yo mette sous doyo, comme quoi c'est moun qui impliqué dans tout ça comme malhonnête, gang, volé, viol, ak sa ka passé en de pays d'Haïti. Qui sa peut passé, qui te m'din, a pas d'hélice, Canada, ak États-Unis, fait mette sous pied, Nations Unies paré pour mettre yon pi gros bout lisse dans la rue. Qui pral impliqué bourgeois, homme d'affaires, gang, la police, ak an pil moun tankou journaliste, plusieurs secteurs nan vie nationale la, et selon sa n'tande, bagay yo pral pi compliqué. Mesdames, messieurs, amis, auditeurs, connectez on l'autre fois ensemble avec, rete accroché sur Sofia TV 83, et m'ap gen plaisir pour m'kebel informer, songez à abonner si ou poko fè ça, plus nouvelle ak détail. L'autre encore, ap continue vini, sur réseau information concernant détail dans politique là avec bandi kap ferraille sous bout de papa de saline et m'a bien plaisir informer en temps réel les États-Unis gen l'ispal le Canada gen l'ispal mais qu'on y a là yo parlé de la possible arrivée d'une liste des Nations Unies et on dit liste ça c'est pas un gros bout de tonton liste Nations Unies hein. Libéral gagner en pile monde là-dedans pas des moindres des monde dans secteur politique là des mouns dans le pouvoir, des mouns dans le secteur privé des affaires. Là. Pour pouvoir, nous connaissons deux ministres qui ont déjà perdu le job. Mais nous avons rappelé sur l'information qui est disponible, nous avons plus de quatre ministres eh bien, qui étaient concernés par ces sanctions des États-Unis d'Amérique. Et selon l'information qui a circulé dans les couloirs du pouvoir, à ce qu'il paraît, il y a des autres ministres qui sont en poste là, eh bien, qui sont capables concerné par ces sanctions et que la communauté internationale a fait des pressions sur le gouvernement, soit pour révoquer, soit pour mettre de côté et puis permettre que la justice eh bien, saisisse le dossier tout simplement. Mais, en effet, l'ISLA a vint plus longue de jour en jour. D'ailleurs, c'était en pile attente de mon côté population. Hein. Il y a au moins 6 noms qui rejoignent le sénateur Yuri Latortue et le sénateur Lambert. Et c'est Gary Modo, ancien président de la Chambre des députés, ancien député d'Elmar. C'est ancien sénateur Hervé Foucault, vous voyez, c'est ancien sénateur Sud, si je ne me trompe pas. Il y a un sénateur en fonction, Ronnie Célestin, homme d'affaires, homme politique depuis un certain temps, qui lui-même c'est sénateur département centre. Et puis il y a l'ancien président Michel-Joseph Martelly. Il y a aussi ancien premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, Laurent Salvador Lamotte, et leader Rémi Haïtia, ancien candidat à la présidence, et ancien premier ministre de l'administration Jovenel Moïse, là, Jean-Henri Séan. Donc, le monde a dit, et ça c'est Canada, et qu'on y a là, il y a plein d'États-Unis. Alors, ça, vous pouvez comprendre matin, hein? Canada agit, c'est en vertu de résolution 2653 qui concernait le régime de sanctions que les États-Unis ont proposé. Hein. Donc, même les États-Unis. Maintenant, question que tu as posée, Mathéa, est-ce que les gens qui sont dans l'ISA ou bien dans l'ISA Canada Soutia, ils étonnent nous? Autrement dit, ils surprennent nous. Moi-même, personnellement, il y a des gens qui disent qu'ils sont dans l'ISA ou bien il y a des gens tout carrément qui sont dans l'ISA officiellement. Sincèrement, ceci au pas là, ça t'a bétonné. Pour qui ça me dit ça? C'est pas parce que yo coupable de ça yo reproché yo effectivement. Mais c'est parce que depuis un certain temps, il y a des voix autorisées dans le pays, il y a des organisations de la société civile qui font des rapports dans le pays, il y a des dossiers qui font scandale dans le pays, sous une forme ou sous une autre, vous comprenez, les gens sont toujours impliqués. Pas oublier, non?
Yo dit comme ça, selon décision Canada ou bien décision États-Unis, yo dit moun sa yo utilise statut ou bien statut te gagné pour faire qui ça? Pour protéger gang et puis pour faciliter activité illégale dans question financière ou bien mettre moyen à la disposition. Mais on parle de deux autres bagages tout. Yo parle de blanchiment et on parle de corruption. Donc c'est ainsi que je dis à yo dit non. En attendant, M. Yuri Latortu, M. Joseph Lambert, M. Gary Baudot, M. Hervé Foucan, M. Ronny Célestin, M. Michel-Joseph Martelly, M. Laurent Lamotte, M. Jean-Henri Seyan, c'est des mouns qui n'ont tété langue à bandit. C'est des mouns qui n'ont financé gang. C'est des mouns qui ont pour à corruption. C'est des mouns qui ont pour à blanchiment l'argent en d'un pays. Mais vous parlez qui attire l'attention, monsieur, dame. Et probablement l'attire attention nous. Dans tout le monde, nous avons rendu public jeudi à là. Nous avons rendu public jeudi à. Moi, je sens un bon point commun. Nous avons dit un point commun. Le point commun, c'est PHTK. C'est des gens qui soient des membres du Parti haïtien tête calée, ou bien des gens tout, à un certain moment, qui étaient servis pour voir PHTK, ou bien qui étaient des alliés sûrs du pouvoir haïtien tête et PHTK. Pour qui ça? Je dis à la, je ne prends pas le PHTK responsabilité comme seul pouvoir qui gangsterise le pays. Parce que la question de gang ne date pas d'hier. Depuis sous pouvoir passé, notamment avec l'avalage, nous rappelons que c'est un officier de police là, nous rappelons une gang qui a fait la cité soleil. Donc, tu as gagné des gangs. Mais rendez-moi fou ça, même si nous avons une étiquette l'avalage ce matin. Hein, pendant ces 10 dernières années, question de gang dans les villes, puis on va même plus compliqué. C'est pas de 10 dernières années à yo que gang a poussé tant coup John John en d'un pays comme ça. C'est pas de 10 dernières années à yo que chef gang à l'aise comme ça pour parler, pour dire mais ça va pas le faire, pour foncer une mauvaise action, mauvaise action d'un pays comme ça. C'est pas de 10 dernières années à yo qui fait que jodi a là pour un monde qui te quartier la gare, il faut qu'on ait autorisation en chef gang. C'est pas de 10 dernières années à yo que jodi a là. Route nationale, le principal route nationale dans le pays, c'est gang qui contrôle. Pour passer, c'est soit d'accord payer, c'est soit d'accord violer, c'est soit d'accord kidnapper. Ou bien on va mourir tout carrément. Donc, on ne peut pas le dire comme ça. Ce n'est pas vrai, ça m'a dit à ma tête. Et bien, pendant ces 10 dernières années, ça m'a parlé. Qui est-ce qui est sous pouvoir? PHTK. Et PHTK est sous pouvoir. Ensuite, dit ça mérite de mourir. C'est Michel Joseph Martelly qui est président. C'est Jovenel Moïse qui était deuxième président PHTK. Et mon PHTK, troisième version, là, qui vient tête Ariel Henry. Akalié. Akalié Lio, ancien membre de l'opposition politique face à Jovenel ou bien Martelly Lio, qui je dis a rejoint Ariel, il a frappé. Donc si je ne peux pas dire tout ça là, comme réalité, comme configuration de la question de gang, nan, c'est eux-mêmes qui ont une responsabilité. Pas comprendre. Et ils ont toujours dit, et il y a des gens qui avisaient, qui répétaient ici. Gang yo, yo existe, y'a pren j'arrête, c'est parce que yo joine des protections dans même monde qui mieux place dans le pays, soit sur le plan politique, ou bien dans le pouvoir, ou bien dans le secteur privé des affaires. Okay. Et puis je dis à la, yo dit nous, le Canada, les États-Unis en particulier, le bon moral, y'a dit nous, mais qui est-ce qui est dans la question gang, mais qui est-ce qui t'a pété la gang, mais qui est-ce qui est dans protéger gang. Yo ba nous des noms. Nous pas dit c'est moun sa ouvri. Mais mon ça ou pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages tout d'entrée Dieu tu vas rien pour avoir comme ça non parier me souligner pour nous là tout monde ça yo c'est des monde qui a rapé PHTK ou bien qui s'est allié PHTK ou bien membre PHTK Yuri Latortu Joseph Lambert c'est deux anciens conseillers politiques de l'ancien président Joseph Michel Martelly et parti conseil politique deux grands conseillers politiques Gary Baudot ancien président de la Chambre des députés. C'est ton allié sûr, Jovenel Moïse Lidéévi. Nous pas déjà été jeté ici. Conseil de députés presque levé deux pieds, deux mains pour ouvrir ici. Et Garibaud était bail tête non satisfait pour lui dire que le docteur a fait ça. Je ne sais pas si je viens de dire ça, mais tout le monde sait ce qui est passé. Pays a pitié, son plan mêlé. Surtout dans la sphère politique là. Ah oui. Ronny Célestin avec Foucan. C'est deux alliés ou bien deux parlementaires qui étaient PHTK, qui étaient roses dans tout le corps, oui, et qui étaient bénéficiés au paquet de largesse dans le pouvoir, ça, oui. Ni dans la première version, ni dans la deuxième version. Oui. Bon, Michel Joseph Martelly.
n'en parlons pas, c'est l'homme fort du PHTK. Et yo dit jusqu'à présent, je dis d'un qui a tiré ficelle-là, dans la sphère politique-là, et a parlé de yon qui est plus fort politiquement, mais maintenant avec nouvelle, est-ce qu'il n'a pas affaibli? On ne sait pas. Laurent Lamothe, ancien premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. Bon, il était ministre de planification. Il était ministre de planification à un certain moment. Nous connaissons qui force Laurent Lamothe. 22 stades. Jean-Henri Seyan. Bon, Jean-Henri Seyan, c'est on outsider qui vient jouer l'équipe là. Vous comprenez? Qui devait jouer l'équipe là, dans le cas de nous songer ce qui était passé, je crois en 2018-2019, après les événements du 6 et 7 juillet 2018. Vous comprenez? Après le voyer La Fontaine aller, il a venu avec Jean-Henri Seyan. Jean-Henri Seyan fait l'année 2018 là, 2001 trimestre 2019 là, vous voyez Michel Ali. Vous comprenez? Donc Jean-Henri Seyan, il était accusé comme monde qui devait jeter Jovenel Moïse parce que il y a une réunion qui était faite dans plein temps. Et la caille, et comment il s'appelle encore le PDG de la Radio Zénith, la caille Nicolin, ensemble de l'Ecté réunis, et projet c'était voyer Jovenel aller, permettre que Jean-Henri Seyan président, et puis soit Abou Blanc, Béhuri la tortue, vin premier ministre. Bon, plan crasé, et il y en a un accusé qui crasé, plan ça, c'est Moïse Chacha. Bref, donc c'est pour vous dire que tout le monde, ça, yon a cité là, c'est des monde sous une forme ou sous une autre, qui soit de travail dans PHTK ou de travail avec PHTK. Donc ça veut dire qu'on va gagner pour nous. Pour qui ça c'est yo, c'est pas Johnny Ferdinand, c'est pas Guerrier Dieu seul, c'est pas Lydia Alexandre, c'est pas Pierre-Oudel Rouené, c'est pas Grégory Lubin. Pour qui ça c'est yo? Moi m'en vais contre ça. Et parce que je suis en train de dire que yo c'est innocent ou yo c'est coupable, non. Jusqu'à présent, yo gagne droit pour défendre tête yo. Maintenant, qui ça nous remarque? Nous remarque, à chaque fois, on nous sortit dans la liste là. Eh bien, yo prend réseau social, yo prend radio pour dire c'est menti à faire sur yo. Moins li intervention yo et sous ça ni par écrit, moins tande la radio, Lambert parler sous ça, il était fait un pèlerinage dans média, Garibodo sorti communiqué hier, Hervé Foucan beaucoup parler, m'pa connais s'il a parlé, Ronny Céleste à travers avocat parler, Michel Joseph Mateli beaucoup parler. Laurent Lamothe lui-même répond que sur Haïti 24, il parlait. Et puis Jean-Henri Seyan lui-même font un tweet sur ça. Ils ont tout dit comme ça que accusations Canada, ce sont des accusations mensongères. Par exemple, yes. Garibodo dit comme ça que c'est persécution politique. Jean-Henri Seyan dit c'est un ensemble d'accusations qui inscrit au nom des marches pour assassiner Caractère. Laurent Lamothe dit comme ça lui-même. C'est une manœuvre qui a fait pour faire silence. Pour ça, nous avons parlé, nous ne connaissons pas. Pour reprendre pour faire silence. Et puis, Ronny Céleste dit, à travers l'avocat, ça, Canada a accusé lui, pas gagné aucune preuve. Donc, il faut mobiliser là pour attaquer la décision. Mais mes amis, il y a des gens qui disent comme ça que, pour qui ça, c'est une réaction ça, vous gagnez. Mais pour pas de carte, vous n'avez pas une réaction, contraire. Parce que vous pensez que vous avez dit, mon cher, c'est vrai. Ça, Canada dit, ah, c'est vrai, moi, c'est. Bon, et puis son doigt, rien pour défendre tête, oui. Quand même. Un, il va pas jamais dire ça. Et deux, tout. Et la défense est un droit légitime, comme ça vous dit. Donc, vous avez un droit de défendre tête, un droit sacré. Et vous avez défendre tête, mais moi-même, comme journaliste, jusqu'à présent, pour moi, monsieur, soit des présumés innocents, soit des présumés criminels, des présumés trafiquants de drogue, des présumés corrupteurs. Mais sauf que. Maintenant, tu es pour Mounio, dans le pays d'Haïti. Pour que chaque monde qui est occupé, en fonction, et puis un scandale qui pète, qui est pour avec fonction, lui-même, il était là pour d'accord que y a responsabilité là-dedans. Moi, je ne vois pas ça, je ne vois pas ça déjà. Par exemple, bon, là, j'aime détourner nos bureaux là, bon, là, j'aime détourner nos ministères, et puis on a dit qu'on s'appelle c'est intégré directeur général pendant la période là. Et puis, on a un rapport sorti qui dit, ah, tel l'agent a fait un couchit, comme monsieur t'a dit, quand il fait l'agent. Première réaction que nous avons, c'est dans la radio de la Mindou, persécution politique. Premier bar à la Mindou, c'est assassiner caractère. Et puis après ça, ouais, toute bagaille frette, ou bien lui-même, lui jouer sous pouvoir, lui chercher faut qu'on fait pour vivre ça. Regardez ça qui passe à ULCC avec dossier Ronny Céleste. Moi, ouais, ni référence, ni métronome parler de question. Ça, sanction Canada,
avis ni ULCC jusqu'à présent. Oui, mais même Gabriel cité Samuel Madistin qui était dit qu'on rapport en cachette qui sortit sur le dossier ça. Mais DG ULCC a dit pas gagné rapport qui sorti, gagné enquête qui a mené, gagné des dossiers qui montraient qui a mené sur des pistes. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas gagné un rapport qui sorti. Sa conclusion rapport à dossier ça passe. Bon, ça nous pas connaît. Il n'y a pas de détails, donc son rapport. Son enquête qui a peiné peut-être. Il dit, Pierre Winel. Moi-même, je ne sais pas si ça. Canada dit, ou bien les États-Unis dit, c'est pas au l'évangile pour tout le monde dit amen. Mais ça t'a étonné. N'a pas parlé de on série de dossiers qui sont si sensibles, si importants comme ça. Dossier gang, dossier corruption, dossier blanchiment. Et puis pour autorité canadienne, yo, autorité américaine, yo, t'as décidé qu'on s'en mette de nos par-ci par-là. Ça n'a pas étonné, moi. Ça n'a pas gagné aucun élément. Et dans le communiqué, le ministre des Affaires étrangères du Canada, il a dit même, il y a des débats, mais il y a une bonne preuve. On prend qui est capable de raison pour croire que Mounsayo est lié avec ça ou repoussé. Mais c'est ça peut-être, moi, la mot demandé tout. C'est venu avec preuves concrètes pour montrer qu'il y a un rapport avec gang, le dénonce financé gang, etc. Et il rappelait que c'est sous Mandalian, pendant le premier ministre, qui a démantelé deux plus gros gangs. Nous sommes ces Souli qui ont été arrêtés et Brant, Clifford Brant, sont sur la familia, etc. Donc il est allé ça pour montrer que lui-même n'est pas dans ses collés avec gang. Oui, donc, mais il va dire rien tout sur blanchiment. Bon, ça connaît à qui ça Canada tout dit. Oui, parce que c'est pas seulement ça qui gagne comme. Mais c'est peut-être là les besoins pour Evelyn, parce que quand même, c'est l'équipe qui parle. Ouais, la mode capitalisée sous gang en pile. Oui, parce que le défait, parce que le comme il était agi sous lui, ça a été plus palpable, c'était plus concret. Oui, mais c'est ça. Parce que vous canalisez seulement sous question gang, mais le Canada n'a pas fait parler de ça ou seulement comme accusation, il y a blanchiment l'argent. Il y a corruption. Si nous allons dans le dossier peinture et jalousie, il y a un dossier de scandale. Sorti dans le Petro-Caribé, resté sa privalité, passé dans la question 25 stades, tombé dans si maman chérie, si papa chérie, étudiant, panier solidaire. Anel Bélizet, tout est un dossier, des âmes qui tachées, etc. Mais quand il y a là, moi-même, et la question, c'est qui rôle la justice haïtienne dans le dossier ça. Parce que pas oublier que l'ensemble des décisions ça qui prend, ce n'est pas du tribunal dans le pays ça qui prend. Ok, c'est des instances politiques, mais qui peut-être gagnent éléments en main, parce que pas quand même agi comme ça. Mais vous n'êtes là, qui voit la justice ça? En tout cas, ça nous gagne là comme la justice dans les mêmes, non, c'est pareil. Mais l'âme d'après Alvini, vous ne pouvez pas aller en trade judiciaire. Ça veut dire qui ça? Pays ça, qui dit ses amis, pays d'Haïti, si ce n'est pas sous fou là, vous campez, si effectivement vous voulez bailler Haïti en bourrade, pour le bailler, vous faire. C'est mettre preuve ça à la disposition de la justice haïtienne. Mais tout ça là, 200. De 1 à 200. Il est là. C'est dans qui pays parce que il y a un bagou. Il est sorti en Israël, passé par Canada pour arriver en Haïti. Ça c'est bon commandement que comme Kamala dit monter côté me dans Israël là. Et s'il m'en des patrons, la connaît que patron connaît que me dans en Israël. Un individu qui a parlé d'un ancien député, il pas parlé de moi parce que nous sommes députés actifs. C'est que nous devons comprendre. Et Mundel Maktaba fier de nous. Avion privé côté ou bien bateau. Ça côté. Mais c'est ça, m'a dit yo. Et dans l'Amérique jet, yo passé. M'a dit citoyen ça. Quel que soit pouvoir Mateli la mode gagné, yo pas qu'à éliminer dossier dans l'Amérique jet parce que l'Amérique jet pas une compagnie haïtienne. Le l'enregistrer net. Parce que c'est tout système dans le même bagage. Dans n'importe l'autre pays où aller, de vous pas à numéro ou baili, y'a jeune. M'a dit numéro seulement pour nation. Pour mal montrer aux citoyens que yo pas qu'à éliminer le dossier ça. Livini sorti premier ministre office République d'Haïti boulevard Harry Truman Port-au-Prince Haïti acheté 6140. Attention Salim Souka téléphone 509 37 59 44 49 pour individuel les patrons pour confirmer avec Fly Cargo International Transport LT Mama Building Suite 807 Flying Cargo International numéro A agent TPA code là c'est 37 47 117
vivre comme citoyen yo ka konnen côté que t'as dit université solaire côté me t'aller à des containers amis non et pas là au sorti Tel Aviv YYZ Air Canada UL BA tout Port-au-Prince ça veut dire que li embarqué OK Canada li vin Port-au-Prince by numéro tout bagaille li dit que poids quantitatif de 25 colis parce que c'est 25 caisses que j'amnaye li pesait 1088 kilos. Montant total que je paye pour transport là, c'est $17,408 américains. Et combien comme ça au côté d'État ici? Ah mais c'est ça. Et là le Sénat, bon qu'on est Sénat lui-même. Malgré le pré-résolution pour y mettre directeur dehors, président pas publié, il y a même pas ramassé caractère pour le fermer, direction générale ça. Moi me toujours dit si sénateur était respecté peuple haïtien depuis pour résolution pour un bagage en faveur peuple haïtien chef d'état pas appliquer yo même faut le faire peuple haïtien accompagner pour appliquer parce que yo gain droit ça long à la mort tu dis qui commande 200 galis et pas moi non dit compère moi même moi dit ça que m'gena même là qui sorti dans douane de l'aéroport il dit clairement c'est premier ministre république d'Haïti moun qui fait saisie dossier c'est monsieur Yves Malbranche junior na Amerijet Air Canada le 4/3/2013 et pas moins dit le compère m'a pli ça gain dossier et il pas gain aucun dossier légal là-dedans ni lettre et ministère défense là ni approbation ministère de la justice là ni lettre de franchise ministère des finances là ni l'argent que le coûté peuple haïtien seulement autorisation immédiate du directeur général pour Zamio sorti même jour yo venir. Directeur général qui ça? La douane. Qui date Zamio venir? Zamio venir même jour le 4/3/2013 même jour soit ça. Le 4 mars 2013 même jour soit ça. Yo pas même quitté Zamio dormi en dedans Amerijet. Yo fait tout ça yo même jour. Yo prend Zam ça yo à la veille. Je dis à la comme peuple haïtien voté des parlementaires qui toujours en fonction d'où tu te gagne te planer sous prestige institution nous même nous retirer je dis à yo libre pour faire travail si pas gagne l'autre parlementaire qui gagne des doutes sur yo encore devant la justice quelque faut que parlementaire ramasse caractère qu'on y a là pour aller connaître 200 galils ça combien coûte écouter l'état haïtien pour qui ça 200 galils ça acheter qui côté lié et pour qui ça fait que c'est premier ministre avec Salim Souka qui a acheté Zamzal.